Ce qui m'indigne, moi, c'est qu'on ne consolera jamais les enfants de Sarah Halimi ou de Mireille Knoll. On ne rendra jamais justice à tous ceux que l'État n'a pas su protéger. Ce qui me révolte, moi, c'est ce jeune homme qui a honte parce qu'en rentrant chez lui, porte de Vanves, son vieux père s'est fait agresser et qu'il a baissé les yeux devant les racailles. Ce qui me révolte depuis trop longtemps, c'est la résignation. La résignation des politiciens, la résignation du gouvernement qui nous explique qu'on ne peut plus rien faire, qu'il faut s'habituer, que c'est une fatalité. Non, non, mes amis, il n'y a pas de fatalité. Vous pensez que c'est vous qui devez avoir honte, mais non, c'est l'État qui devrait avoir honte. Je suis là pour lutter contre la fatalité. Chacun... Chacun est venu sur cette esplanade avec ses espoirs, avec ses inquiétudes, avec ses attentes. Je veux dire à chacun d'entre vous à quel point je vous comprends, à quel point c'est pour vous que je me bats.